Bonjour à tous, si vous voulez parler illuminés, nous sommes le 3 septembre 2013 et ben la censure continue en fait, hein, puisque là par exemple je ne peux pas commenter sur YouTube. D'habitude cela me le fait uniquement sur le navigateur Firefox, mais aujourd'hui ça le fait aussi sur Internet Explorer, ce que je vais vous montrer. Donc ici vous voyez marqué commentaire momentanément indisponible. Je pense qu'on le voit bien. Je vais recharger la page pour vous montrer. Jusqu'à présent, à chaque fois que j'ai rechargé, ça ne fonctionnait pas. La vidéo incriminée, c'est le Front National fabriqué par la famille Bush. Et c'est François Asselineau qui parle. Donc je voulais mettre un petit commentaire pour réveiller quelques-uns qui n'auraient pas encore compris le problème. L'énormissime problème. Et j'en suis la preuve vivante. Donc voilà, impossible. Alors ensuite, je passe sous Internet Explorer. Ici, commentaire momentanément indisponible aussi. Alors que d'habitude, comme je vous ai dit, ça le fait uniquement sur Firefox. Je viens de recharger et les commentaires sont encore une fois momentanément indisponibles. Il va falloir que je télécharge un troisième navigateur, Chrome, pour essayer de voir si cela fonctionne. Mais bon, là, visiblement, si c'est sur deux navigateurs, il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas sur d'autres. Dans tous les cas, j'enregistre mon commentaire sur un fichier Word, et dès que cela reviendra, parce que très souvent, les censures, les boycotts ne se font que sur un temps déterminé, et ensuite, c'est possible de reprendre les activités normalement, mais les soucis se déplacent, hein, voilà, c'est vraiment pour embêter. Donc là aujourd'hui c'est ça, et puis demain ce sera peut-être autre chose, après demain aussi. Voilà, et ben merci de m'avoir écouté.